Congo Dieto, 3274. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la liberté de penser et d'opinion à toute personne, à tout peuple. L'Union d'Intimanti, Malongi Mabundu Dia Congo. Les grands maîtres de la sagesse Congo demandent au peuple congolais de poser aux initiateurs de la marche du 19 décembre prochain la question suivante. Une marche, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Dès son vivant, Étienne Tshisekedi a conduit le peuple congolais dans plusieurs journées mortes qui n'ont rien donné. Ainsi, aujourd'hui, le peuple congolais n'a vraiment pas besoin de journées mortes. Car la seule action dont le peuple congolais a besoin, c'est le départ du politique Kanembe et la nomination d'un président congolais pour la transition qui aboutira à l'élection d'un président congolais qui dirigera la RDC. Comme les Rwandais ont un président rwandais qui dirige la République du Rwanda, en effet, les Rwandais n'accepteront jamais qu'on puisse leur imposer un président congolais. Puisque Hippolyte Kanembe est outil rwandais, il doit laisser sa place à un président congolais. C'est pourquoi si la marche du 19 décembre a comme objectif chasser Hippolyte Kanembe de la RDC, alors c'est parfait. Mais si la marche du 19 décembre prochain a un autre objectif, les grands maîtres, Mwandansemi, les chefs saints de la race bantou de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundu dia Congo, les rois et prêtres de Bantou, le député national de la RD Congo, Kinshasa, le 5 décembre 2017. Makessa,